le départ. Départ de cette quatrième épreuve, 1400 mètres à parcourir, Partner in Crime, sollicité Spy Master également, donc Partner in Crime, quel avantage avec Jason Gates sur Spy Master. Ensuite, Cloud Seeder, on retrouve Babylon en dehors, ça mène Fish King Grand Final à l'arrière. Il y a Paddington Slack et Part Fortune. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. 900 mètres environ à parcourir dans cette épreuve pour Partner in Crime et le Sud-Africain Jason Gates devant Spy Master Aiden Cayley. Ensuite, on retrouve Cloud Seed, Stephen Donahue à son extérieur. Babylon, Justin Snate, Stein, pardon, retrouve Grand Final qui va essayer de se rapprocher avec Rémi Campos. Fish King sur les barres avec Benny Woodworth. À l'arrière, il y a toujours Paddington Stock et Part to Fortune sollicité par Jamir Ali Hussein à 350 mètres de l'arrivée. Donc, qui rattrapera Partner in Crime. Spy Master se montre menaçant Babylon Grand Final. Elle va continuer sa progression en pleine ligne droite maintenant. Alors, Partner in Crime qui abuse de la largeur de la piste. Attention, à l'extérieur, on fait l'effort avec Spy Master. À l'intérieur, Babylon, Grand Final, vont essayer de revenir. Mais Partner in Crime a toujours le meilleur sur le monde de Jason Gates face à Babylon qui termine en bolide. Partner in Crime, Babylon, Partner in Crime, Babylon, Grand Final. Il est parti un peu vers l'extérieur, Partner in Crime. On verra ça au head-on, ce que ça donne. Jason Gates sur le numéro 7.